Voilà, donc en fait, oui, donc je disais en fait, ça, je le chante en français, donc on verrait le déchiffrage de la chanson, l'apprentissage de la mélodie, l'interprétation, l'improvisation, concert et rencontre avec l'artiste. Alors, apprendre à jouer par cœur, donc ça, c'est un cours voilà, que j'ai fait il y a quelques temps et que j'ai mis en place dans le catalogue, donc on va regarder ça ensemble. Parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée, c'est comment on fait pour apprendre à jouer un morceau par cœur. Donc, quand vous allez en fait, alors, toute la procédure, quand vous allez sur le site harmoniadejazz.com, vous avez, sur le menu à gauche, vous avez formation, et quand vous cliquez dessus, vous arrivez dans le catalogue de formation. C'est logique. Et alors, le catalogue de formation, on est sur un autre site qui s'appelle harmonicabluescountryjazz.com. Okay? Voilà. Donc, vous avez donc c'est plein 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 de choses. Donc, c'est pour ça, hein, si vous êtes un peu perdu dans toutes les formations, tous les cours que je propose, faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec moi dans l'agenda, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Comme ça, bah, je peux vous indiquer, enfin vous conseiller sur la formation qui correspond le plus à votre niveau et à votre profil et à ce que vous avez envie de faire. Mais vous avez effectivement pas mal de cours et donc vous avez voilà, dans les cours à la carte. Donc ça, c'est des cours qui sont hors formation, qui s'appellent Savoir jouer un morceau par cœur, cours adapté à tous les niveaux, 10 astuces pour retenir un morceau, et c'est une méthode reproductible. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous savez jouer un morceau par cœur que quand vous allez aborder un deuxième morceau, ben, la méthode est complètement différente pour apprendre à jouer le morceau. Évidemment, vous avez la possibilité de, quand vous avez compris la méthode, eh bien, vous pouvez la reproduire sur tous les morceaux que vous jouez, en fait. Donc, en fait, il y a deux grandes manières d'apprendre un morceau par cœur. Soit vous le jouez 5000 fois et vous êtes sûr que la 5001e fois, vous le connaissez par cœur. Bon, peut-être que si vous le faites 500 fois, ça suffira. Peut-être que vous le faites 50 fois, ça suffira. Mais l'idée, c'est quoi? Bah, c'est d'avoir une méthode qui vous permet de gagner du temps et puis ne pas oublier les morceaux, quoi. Parce que vous pouvez vous dire, bah, tiens, OK, j'ai appris par cœur. Puis quand je joue un autre morceau, bah, j'ai déjà oublié le premier, quoi. Donc, l'idée, c'est d'avoir des clés, en fait, des points de repère pour, bah, voilà, avoir des pistes qui vous permettent de retenir vraiment les morceaux et de dire, tiens, ah, je jouerai bien ce morceau-là, boum, ça y est, je joue, quoi. J'ai envie de jouer Douce Nuit, je me dis pas, ah, Douce Nuit, moi, ça fait des années que j'ai pas joué ça, bah. Ok, vous le jouez. Vous avez envie de jouer When the Saints Go Marching In. C'est surtout ça, quoi. Vous avez envie de jouer, enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Vous le jouez spontanément. Pourquoi? Bah parce que vous avez retenu tous ces morceaux par cœur. Et évidemment, plus vous jouez de musique, bah, plus vous retenez de notes, plus vous retenez de choses. Mais c'est quand même pas évident et surtout, ça prend beaucoup, beaucoup de temps de répéter, répéter, répéter encore. Donc en fait, quand vous cliquez sur En savoir plus, vous arrivez sur la page de présentation. Voilà, ça s'appelle 10 clés pour réussir à rejouer un morceau par cœur. Donc je vous explique un petit peu en gros ce que c'est. Et voilà, vous pouvez donc, pour 30 euros, vous pouvez accéder au cours. Donc, c'est un cours en vidéo, en fait. C'est un ancien atelier que j'avais fait. Et donc, vous avez l'accès à ce cours. Voilà. Donc, ça vous permet effectivement d'apprendre à le jouer. Et donc, enfin, c'est un cours auquel vous avez accès à vie, hein. Chaque fois que vous prenez une formation, un cours dans l'école d'harmonica, vous avez un accès à vie. Donc, vous pouvez le revoir autant de fois que vous voulez. Okay? Donc, vous allez apprendre à jouer des morceaux plus vite. Vous constituez un répertoire plus fourni parce que bah, du coup, comme vous n'oubliez pas les morceaux, bah, vous pouvez dire, tiens, si par exemple vous adorez la musique celtique, et bah, vous pouvez apprendre par cœur 10, 20, 30 morceaux si vous voulez de musique celtique. Et puis si vous voulez faire un jour un concert de musique celtique, bah, vous n'êtes pas obligé d'avoir des partitions tout le temps ou de dire, ah oui, là, ce morceau-là, je ne me rappelle plus. Bah, non, vous pouvez le faire spontanément. Vous pouvez acquérir un vocabulaire musical parce que plus vous en retenez de phrases, bah, plus ça peut vous servir pour l'improvisation. Et puis, bah, vous allez pouvoir jouer des morceaux sans partition, quoi. C'est aussi le but, quoi. OK? Bon, je reviendrai avec les différentes questions tout à l'heure. Si vous avez des questions en rapport avec ce que je viens de dire sur le savoir jouer un morceau par cœur, n'hésitez pas. J'en ferai une dernière séance de questions à la fin. OK. C'est bon pour ça? Très bien.